On rencontre maintenant un grand maître de jeu d'échecs de niveau international. Samy Chokher est au Fénois pour la deuxième fois. Il a rencontré ce mardi les élèves du collège de Papara, un privilège pour certains d'entre eux qui se forment au jeu d'échecs depuis leur plus jeune âge et un beau moment de partage, comme l'a constaté Mary Théato. Ah bah là, c'est difficile. Hein. Bah, il est en train de me faire échec avec sa tour. Bah, c'est pas le choix, je m'enfuis. L'INSEE a d'abord pensé s'enfuir, puis s'est ravisé en appelant son cavalier à la rescousse. Une vingtaine d'élèves affrontent le maître d'échecs en simultané avec l'espoir de le battre. En fait, j'ai pas fait vivre sans baiser de là, moi. Ça arrête, il était juste là. Ben, au début, j'allais l'avoir, mais après, il a tout déjoué. Surtout à cause de son fou noir. Oui, il me bloque. Pour l'équipe pédagogique, le jeu d'échecs est une des activités qui permet de canaliser l'énergie des élèves. Le personnel du collège se mobilise au quotidien pour proposer aux élèves des activités sportives, pédagogiques ou ludiques, comme donc les jeux d'échecs sur la pause méridienne, justement pour un petit peu instaurer un climat serein au sein de l'établissement. Ces activités sont aussi un complément à ce qui est enseigné en cours. Ce qu'il peut en ressortir, c'est qu'à chaque fois que le grand maître, par exemple, met échec et mat, il explique l'erreur aux élèves pour qu'ils puissent apprendre de cette partie. Il faut faire gaffe à ces deux pièces, la reine et le cavalier, quand ils sont proches, il faut regarder. Le grand maître n'a pas été détrôné, mais quelques élèves ont réussi à l'étonner. Si j'avais pas fait attention, je pense que j'aurais pu en perdre quelques-unes. Là. Il y en a quelques-uns là, qui m'ont tenté des pièges. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire attention. Là. Je suis sincèrement agréablement surpris par le niveau. Je ne m'attendais pas à une telle opposition. Et bravo pour le travail qui est fait avec ces élèves. C'est vraiment la conséquence d'un travail de fond réalisé par les enseignants et quelques animateurs, quelques intervenants, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils se débrouillent bien et ils prennent du plaisir à être là. Beaucoup de respect, beaucoup d'humilité aussi, et ça, c'est parfait. Un tournoi d'échecs, cette fois-ci inter-établissement de Polynésie, est prévu dans les prochains mois. Les élèves pourront tester les techniques qu'ils auront apprises avec Samy Chokher.